Plus qu'un fromage, un véritable symbole. La guerre du Roquefort est à nouveau déclarée entre la France et les États-Unis. L'oncle Sam a décidé de tripler les droits de douane imposés aux importations de Roquefort. Une sanction prise en rétorsion de l'interdiction par Bruxelles d'importer du bœuf aux hormones américain. Les producteurs de Roquefort crient leur ras-le-bol et leur exaspération. Certains appellent même à des actions. On se souvient que le démantèlement du McDonald's de Millau en 1999 était une réaction à une première mesure de taxation de leur fromage. Le marché américain reste pourtant symbolique pour la production de Roquefort. Seuls 2% des ventes ont lieu aux États-Unis. Pour contrebalancer cette perte, José Bové incite les Français à manger davantage la fameuse pâte persillée.